Bonjour à vous. Je suis ravi de vous présenter une conférence intitulée « Le zombisme dans la nature ». Il était prévu que je donne cette conférence au Muséum d'histoire naturelle de Marseille, dans le cadre de la semaine de la pop philosophie, d'abord en novembre 2020, puis fin avril 2021, mais les circonstances difficiles que l'on connaît en lien avec la pandémie ont fait qu'il était plus raisonnable que je produise finalement un enregistrement de ma conférence. J'ai toutefois choisi de le faire dans un lieu atypique, puisque je suis dans les sous-sols de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, accompagné d'un bestiaire de squelettes, comme vous pouvez le voir. On a Oscar Laurent-Houtan, on a Lily la licorne et une belle lionne. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de vous donner envie de visiter les collections du Muséum d'histoire naturelle de Marseille, où nous avons eu la chance et le privilège d'être reçus pour une visite privée. Muséum d'histoire naturelle, dans lequel je recommande vivement de passer plusieurs heures, ou d'y retourner plusieurs fois, tant la richesse du lieu est remarquable. Alors passons maintenant au vif du sujet, sans jeu de mots facile. Le zombisme dans la nature. Je voudrais d'abord faire une mise au point sur le terme de zombie. Le terme zombie est devenu un substantif. On le met aujourd'hui à toutes les sauces pour qualifier des processus, des phénomènes, des objets très divers. C'est pourquoi je n'ai pas intitulé mon topo le zombie ou les zombies dans la nature, ni même la zombification dans la nature, mais le zombisme dans la nature, pour suggérer qu'il s'agit d'un courant, d'un mouvement d'idées transdisciplinaires, donc disciplinaires, auquel la biologie n'échappe pas, et que l'on retrouve dans d'autres disciplines, et qui scelle donc le destin du zombie en tant qu'objet complexe au sens morinien du terme. Les exemples que nous allons voir concernent essentiellement la manipulation ou la prise de contrôle d'un organisme vivant que l'on va appeler un hôte par un autre organisme vivant qui va porter le nom de parasitoïde, c'est-à-dire un parasite qui finira par tuer son hôte. Mais avant de le tuer, le parasite se sert de son hôte pour accroître sa transmission et se multiplier. Et le parasite y parvient en altérant le comportement, la physiologie et parfois la morphologie de son hôte. On parle de manipulation parasitaire ou de parasitisme manipulateur. Même s'il est évident que le parasite ne décide en rien de manipuler son hôte, ce phénomène a été sélectionné au cours de l'évolution. Les organismes parasités présentent des caractères zombies, principalement en relation avec cette idée de prise de contrôle, d'où le titre de la conférence. Il s'agit un peu du versant réaliste du zombie par opposition à sa dimension fictionnelle, telle que le développe par exemple le cinéma et le jeu vidéo, ce qui peut donner lieu, et on ne va pas s'en priver, à certains allers-retours assez croustillants entre la réalité et la fiction, justement. Les exemples de manipulation d'hôtes par des parasites abondent dans la nature, mais plutôt que de vous présenter une longue liste de cas, j'ai choisi de m'attarder sur 6 ou 7 exemples au total que l'on va prendre le temps de voir plus en détail. Premier exemple, celui des fourmis marionnettes. Avant d'étudier cet exemple dans le monde réel, je vous propose de faire un détour par le monde du jeu vidéo avec The Last of Us. Dans ce jeu vidéo, une mystérieuse infection par un champignon vire à la pandémie et dévaste l'humanité, transformant les humains en monstrueux mutants. Les héros, Joel, un quinquagénaire, qu'on peut voir ici, et Ellie, une ado de 14 ans, doivent survivre dans un monde post-apocalyptique, dans une Amérique en ruine, recouverte par une végétation luxuriante. L'infection se fait par contact avec le sang, le plus souvent par morsure, ou en respirant les spores du champignon en suspension dans l'air. Les infectés ne sont pas, à proprement parler, des zombies, au sens haïtien du terme en tout cas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts puis ressuscités. Mais de manière remarquable, ces individus infectés passent tout de même par plusieurs stades d'évolution qui correspondent à des phases de gravité et de menaces croissantes. On a les coureurs, les runners, les rôdeurs, les stalkers, les cliqueurs, qu'on pourrait traduire par claqueurs, qui sont devenus aveugles car le champignon pousse à travers les yeux. Et alors ces claqueurs ont développé un sens particulier, l'écholocation, un petit peu à la manière des chauves-souris, pour arriver à se déplacer dans l'espace. Et on a enfin les monstrueux colosses, les blotters, dont le corps est recouvert par des excroissances
et qui jettent des sacs de mycotoxines. Donc on verra plus tard qu'on croisera le chemin des mycotoxines, qui sont des toxines fabriquées par des champignons. Le jeu vidéo désigne le champignon parasite Cordyceps comme étant l'agent pathogène transformant les humains en mutants infectés. Et il faut savoir que Cordyceps correspond à un genre de champignon qui existe réellement dans la nature et qui peut infecter d'autres champignons, mais surtout essentiellement des insectes. Et on parle de champignons entomopathogènes, du grec entoma, insecte, et pathogène. Et on raconte que l'idée du jeu de Last of Us serait venue à ses auteurs après qu'ils aient visionné un documentaire diffusé sur la BBC en 2006, documentaire qui est disponible et que je vous propose de regarder. Alors, nous sommes ici dans l'une des jungles du continent sud-américain, où vivent des fourmis bâles, dénommées ainsi pour leurs piqûres extrêmement puissantes. Comme toutes les fourmis, elles adoptent des comportements normalement très stéréotypés au service de la colonie, mais parfois elles sont la proie de pathogènes tels que l'Ophiocordyceps, dont les spores vont pénétrer la cuticule des fourmis et s'insinuer dans leur corps jusqu'à en prendre le contrôle. Les fourmis infectées présentent des comportements étranges, comme on peut le voir, comme l'hypertoilettage, qui font qu'elles sont repérées par leurs congénères. Et les ouvrières essayent alors d'éloigner ces individus infectés de la fourmilière. Le champignon envahit les trachées de la fourmi et se nourrit des organes non vitaux de l'hôte. Mais par un mécanisme encore inconnu, le parasite pousse les fourmis à grimper le long de la tige d'une plante ou d'une branche jusqu'au niveau exact de hauteur, c'est-à-dire de lumière, de chaleur et d'humidité, dont le champignon a besoin pour pousser. Une fois arrivé à bon port, les fourmis fichent leurs mandibules sur une brindille ou sous une feuille pour y mourir. Et le champignon achève la fourmi en lui dévorant le cerveau, puis fructifie au travers de sa cuticule, c'est ce qu'on peut voir, libérant des capsules qui explosent au cours de leur descente. Et les spores atterrissent sur la cuticule d'une autre fourmi et le cycle recommence. Et la décomposition du cadavre se passe en un lieu élevé, ce qui assure la dispersion du parasite et l'infection d'autres fourmis dans un cycle funèbre. Le champignon pathogène Cordyceps est très virulent et peut décimer en peu de temps une colonie entière de fourmis. Différentes espèces de Cordyceps, près de 600 à travers le monde, se sont adaptées à toutes sortes d'hôtes. On en dénombre à peu près 400, majoritairement des insectes. Il s'agit d'un phénomène donc très répandu. Et en général, on a une sorte de spécialisation. Une espèce particulière de Cordyceps n'infectera qu'un spectre restreint d'espèces hôtes. Les fructifications de ces champignons sont souvent spectaculaires. Elles peuvent pousser sous la forme d'une longue tige, comme on vient de le voir, qui fait éclater la tête de la fourmi en l'occurrence. Mais on a également des fructifications en forme de massue, des fructifications rayonnantes, de diverses tailles, de différentes couleurs. On peut parler d'art macabre, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même. On a d'abord soupçonné que le parasite attaquait directement le cerveau des fourmis pour en prendre le contrôle, mais une étude récente publiée en 2017 montre qu'en réalité le parasite enlace les muscles des insectes et s'y insinue pour former un réseau. Et de cette manière,
Le parasite est capable de prendre le contrôle des mouvements de la victime, qui devient alors une sorte de marionnette. C'est à ce niveau que l'on peut opérer évidemment un parallèle avec la zombification, en référence à l'esclave zombifié par le sorcier Bocor, grâce à l'emploi de cocktails particuliers de substances. Le cerveau n'est donc pas directement envahi par les cellules du champignon, mais ce dernier enverrait des substances capables d'agir à distance sur le cerveau de la victime pour l'asservir. Le champignon fabrique par ailleurs des composés ayant des activités cytoprotectrices, c'est-à-dire qui protègent les cellules, des composés comme l'ergothionine, qui permettent de préserver le cerveau de l'hôte le temps de la zombification. Le tableau lié à l'infection par le cordyceps n'est en réalité pas aussi funèbre. Il faut savoir que ces champignons fournissent des services que l'on qualifie d'écosystémiques, en jouant le rôle de régulateurs naturels des populations d'insectes dans les environnements terrestres. Des travaux sont actuellement menés pour les utiliser comme des insecticides biologiques, bien que l'on ne sache pas encore très bien si ces myco-insecticides présentent ou non des risques pour la santé humaine. Il faudrait tout de même pas se retrouver avec les sacs de mycotoxines des colosses de The Last of Us que nous avons vu tout à l'heure. De plus, ces champignons produisent des molécules qui intéressent particulièrement la recherche et la médecine, telles que la cordycépine, qui est un composé découvert initialement chez Cordyceps militaris, qu'on voit ici, qui est de couleur orangée, molécule que l'on sait aujourd'hui synthétiser artificiellement. Alors, ce Cordyceps militaris, c'est la version cultivée d'un autre Cordyceps qui s'appelle Cordyceps sinensis, un champignon endémique du plateau tibétain, qui porte le joli nom de Yartsa Gumbu, et qui s'attaque à des larves de papillons. Son usage traditionnel remonterait à l'Antiquité, et la médecine chinoise et la médecine traditionnelle tibétaine vantent donc ses multiples propriétés nutritionnelles, thérapeutiques. Le cordyceps aura été initialement découvert par des bergers qui auraient constaté la vitalité, la vigueur sexuelle de leur troupeau lorsque les animaux qui composent ce dernier consommaient du cordyceps. Et c'est ce qui a valu à ce champignon le nom de Viagra tibétain ou Viagra de l'Himalaya. Et suite à ce constat, on a commencé à récolter et à faire sécher au soleil de manière massive, comme savent si bien le faire les humains, ce champignon, pour l'utiliser comme traitement destiné à être consommé par la population locale d'abord, puis à être vendu. Et donc ces populations étaient convaincues et ont convaincu une partie du reste du monde que la consommation du champignon allait augmenter l'énergie et la vigueur sexuelle des consommateurs. Alors aujourd'hui, ce champignon est toujours très prisé, car on lui prête, vous l'aurez compris, toutes sortes de vertus. Anti-âge, anti-inflammatoire, aphrodisiaque, stimulant des performances athlétiques et cognitives, on parle de substances nootropes. On peut facilement en acheter des extraits sur Internet, même si les prix sont très chers. Environ 20 euros les 100 grammes, contre 20 euros le kilo pour les cèpes. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont amateurs, mais il s'agit vraisemblablement du champignon le plus cher au monde, et certains ont avancé qu'il coûterait même plus cher que l'or. En plus de trouver des pilules de cordyceps, on peut même acheter du chocolat au cordyceps. Malheureusement, la conjonction de sa surconsommation et du réchauffement climatique ont fait que ce champignon est aujourd'hui en voie de disparition. Pour le deuxième exemple, nous allons rester avec nos amis les fourmis. Je vous ai mis en illustration une photo extraite de l'excellent film Fast 4 de Saul Bass, qui est connu pour avoir été un génial concepteur de génériques de films, notamment pour Alfred Hitchcock. Et dans ce film, Fast 4, le réalisateur montre des fourmis dotées de leur propre forme d'intelligence, ce qui ne sera pas le cas du tout dans les diapositives suivantes, puisque je vais vous montrer exactement l'inverse, à savoir des fourmis décérébrées par des mouches. Les petites mouches en question appartiennent à la famille des Phoridae, qui ressemblent à des drosophiles. On les identifie souvent à leur habitude de s'enfuir en courant plutôt qu'en s'envolant. Et certaines de ces mouches sont des parasites de fourmis, comme celle du genre Pseudoactéon, qui compte au moins 22 espèces différentes. Et vous avez ici la mouche Pseudoactéon littoralis, qui parasite des fourmis du genre Solenopsis, ou fourmis de feu, que l'on retrouve sur une grande partie du continent sud-américain. Et le terme fourmi de feu fait a priori référence à la douleur aiguë que causent les piqûres de ces fourmis. Les femelles mouches phoridées vont pondre un œuf dans le thorax d'une fourmi
ouvrière à l'aide d'un organe particulier qu'on appelle un ovipositeur, qui a une forme de crochet. Donc cet appendice abdominal a une fonction qui s'apparente à celle d'une seringue hypodermique. L'œuf va éclore à l'intérieur de la fourmi, puis se développer en larve, qui au bout de quelques jours, environ 4, va pouvoir accéder à l'encéphale et se nourrir du cerveau de sa victime pour se transformer progressivement en nymphe. C'est ce qu'on peut voir sur cette planche issue d'une publication parue en 2020, où on voit la mouche sortant de la tête de la fourmi qui, entre-temps, a quitté le corps de l'insecte. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la fourmi parasitée, qui n'a pourtant plus de cerveau, continue pendant un certain temps à errer comme un zombie, le crâne vidé. Ce qui fait que la colonie de fourmis ne se doute de rien à son sujet. C'est un peu le loup dans la bergerie. Les autres fourmis qui ne sont pas parasitées semblent un peu dépassées par les événements et par la présence insistante de ces mouches qui les entourent. Et ce qui fait que les fourmis, même lorsqu'elles ne sont pas infectées, ne s'occupent plus des juvéniles. Alors 2 semaines plus tard, après la ponte, des enzymes libérées par la larve de la mouche dissolvent la membrane qui relie la tête au reste du corps. La tête tombe et abrite encore 2 semaines la larve, puis la mouche adulte émerge de la tête de la fourmi, comme on l'a vu, pour aller se reproduire et faire d'autres victimes. Alors, on a tenté d'utiliser ces mouches du genre Pseudoactéon en tant qu'agent de contrôle biologique pour réduire l'expansion des fourmis de feu, Solenopsis invicta, aux États-Unis. Ces fourmis ayant été accidentellement introduites aux USA dans les années 30, depuis l'Amérique du Sud. Ces mouches du genre Pseudoactéon ne doivent pas être confondues avec d'autres phoridées, des mouches du genre Dornifora, découvertes dans la forêt tropicale en 2015, et qui s'attaquent à des fourmis blessées pour leur arracher la tête sans leur pondre dans le thorax. Avec leurs pièces buccales coupantes, elles se mettent à trancher l'intestin, les nerfs et d'autres organes qui relient la tête de la fourmi à son thorax, et elles se servent de la tête comme denrées alimentaires riches en nutriments, ou alors elles pondent leurs œufs à proximité, ce qui facilite la survie de ces œufs et augmente in fine leur pouvoir reproductif. Donc après les mouches qui se développent dans l'encéphale de fourmis, nous allons passer à des guêpes qui vont procéder à l'envoûtement de blattes, toujours pour que ces dernières leur fournissent le gîte et le couvert. Et quand je dis leur fournir, je parle de leurs œufs, car ces guêpes sont des parasites qui ont besoin d'un hôte pour pondre leurs œufs. Alors si je parle d'envoûtement, c'est évidemment en référence, encore une fois, aux sorciers Bocor et aux zombies haïtiens. Alors ces espèces de guêpes ont inspiré les terrifiants chestbursters, les éclateurs de poitrine de la saga Alien. Et on se souvient tous de cette scène mythique du film de Ridley Scott, sorti en 1979, où l'on voit un alien à l'allure insectoïde sortir du thorax d'un des membres du vaisseau spatial. Scène que je vous propose de revoir. The first thing that I'm going to do when I get back is to get some decent food. I can dig it, man. I'm telling you, I haven't eaten bird's food in this, but then I taste it better. You know what I'm saying? The other one over there. You pound down the stuff like this. Uh-huh. And I'd rather be eating something else, but right now I'm digging food. you know what it's made of. No, man. I don't want to talk about what it's made of. I'm eating this. What's the matter? The food ain't that bad, come on, baby. Jane, come on. Eat your what's food. What's wrong? What's wrong? What? What? Hey! Hey, what's the matter? Get
La mise en scène d'Alien est calquée sur le comportement reproductif de la guêpe émeraude, ou guêpe bijou, Ampulex compressa de son petit nom, une guêpe tropicale solitaire de la famille des Sphécidés. Et son comportement reproductif consiste à déposer ses larves au sein de la blatte vivante. Le manège de la guêpe a été repéré il y a longtemps par René-Antoine Ferchaud de Réaumur sur l'île de France, l'actuelle île Maurice, est publié en 1742, et on note un texte du nouveau dictionnaire d'histoire naturelle de Jacques Eustache de Sèvres, paru en 1816, qui indique ainsi qu'un certain Cossini aurait communiqué à Réaumur des observations curieuses sur un insecte. À l'époque, les blattes infestaient les navires, on les appelait des cacarlacs, ce qui a donné le terme de cancrela, on les appelle aujourd'hui des blattes des cuisines, et les guêpes étaient, quant à elles, appelées des mouches cantharides, notamment à La Réunion. Mouches cantharides, on a certaines paroles de Gainsbourg qui les mentionnent. Que survolent les mouches cantharides. Alors, ces textes donnent des descriptions assez précises pour l'époque, des séquences d'événements qui impliquent les deux insectes. La blatte est saisie par le protonome ou par la base d'un élytre. Et reçoit une piqûre dans le thorax de la part de la guêpe Ampulex. Et cette piqûre ne prend que quelques secondes et agit très vite. La blatte est paralysée temporairement, pendant 1 à 2 minutes, au niveau des pattes avant. Et la guêpe en profite alors pour piquer sa victime une seconde fois, cette fois-ci au travers de la tête. Il s'agit d'une piqûre longue et précise, avec un venin neurotoxique qui bloque les neurotransmetteurs de la blatte. Et l'existence de cette double piqûre a été découverte en 1984. Le comportement de la blatte est affecté, elle procède à un toilettage intensif pendant 20 à 30 minutes, ce qui fait qu'elle reste sur place. Et pendant ce temps, la guêpe lâche sa proie pour partir à la recherche d'un endroit approprié pour creuser, aménager un terrier. Et la guêpe revient ensuite au niveau de la blatte, lui attrape les antennes qu'elle finit par couper, elle en profite pour boire de l'hémolymphe, et elle l'attrape alors par un des moignons et à reculons la tracte pour la guider vers le terrier. La blatte suit docilement, pas à pas, sans trébucher. On trouve là encore la référence aux zombies, dont le sort est scellé et qui agit tel un automate. Arrivée à destination, donc dans le terrier, la guêpe pond un œuf sur la cuticule de la blatte et obture le terrier à l'aide de feuilles et de gravier. Et l'éclosion a lieu au bout de 4 ou 5 jours. La larve perce alors la cuticule de l'hôte pour se nourrir de l'hémolymphe de la blatte zombifiée. Alors la blatte est zombifiée, elle n'est pas paralysée. Elle est comme privée de la volonté de bouger. La larve pénètre ensuite dans l'abdomen de la blatte pour y achever son développement en la dévorant littéralement de l'intérieur, ce qui prend un ou deux jours. Et la larve va se nourrir des organes de la blatte en commençant bien évidemment par les moins utiles pour préserver son hôte le plus longtemps possible. Et en l'espace d'un mois, la larve se transforme en nymphe puis en insecte parfait qui émerge de la victime. Ceci dit, la guêpe n'arrive pas toujours à ses fins, car la blatte a mis en place des stratégies défensives, ce qui donne lieu à de véritables combats qui ont été filmés au ralenti par un chercheur basé à l'université Vanderbilt à Nashville, un chercheur qui s'appelle Kenneth Catania. La blatte va essayer de se soustraire à la piqûre initiale en mettant des coups de patte d'une rare violence, comme on peut le voir sur ce film, au niveau du corps, mais surtout au niveau de la tête de la guêpe. On a mesuré que les blattes gagnaient dans plus de 60% des cas. Ces combats ne sont pas sans évoquer la beauté des arts martiaux traditionnels, tels que le judo ou le karaté. Les venins de la guêpe contiennent plus de 200 composants, dont les ampulexines,
qui sont des peptides, c'est-à-dire des fragments de protéines. Et les recherches actuelles se concentrent sur l'élucidation des modes d'action de ces venins. On aurait un premier venin paralysant qui bloquerait un certain nombre de récepteurs dans les synapses de l'insecte. Et les toilettages seraient déclenchés par un second venin qui agirait sur d'autres circuits au niveau du protocérébron de l'insecte. Le venin réduit non pas l'aptitude à effectuer des mouvements, mais la motivation de la blatte. Et c'est ce qui explique que la blatte soit si docile pendant qu'elle est traînée jusqu'au terrier par son bourreau. On pense que le venin provoque une sorte de tempête neurochimique dans le cerveau de la blatte, dont le fonctionnement serait alors réorganisé au profit du parasitoïde. Ampulex compressa a également été étudié en tant qu'agent de lutte biologique contre, cette fois-ci, les blattes domiciliaires. Une femelle au laboratoire peut capturer jusqu'à 85 blattes durant les 150 jours de sa vie imaginale. Et des femelles fécondées, marquées, qui étaient issues d'un élevage calédonien, ont été introduites notamment à Hawaï, à Honolulu, ou encore sur les îles Cook. Mais l'expérience en est restée là, car l'insecte est quand même difficile à élever et sa taille, qui fait environ 2 à 2,5 cm, le rend presque aussi indésirable dans les maisons que les cafards. Et en plus, sa piqûre, lorsqu'on s'en saisit, est particulièrement douloureuse pour l'humain. Alors, comme cette conférence est donnée en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter une initiative de science participative qui avait été mise en place par un autre muséum, celui de Berlin, le Muséum d'Histoire Naturelle de Berlin. Et il s'agissait non seulement d'informer le public au sujet de la taxonomie, cette science de la classification des êtres vivants, mais aussi d'impliquer le public dans la découverte de la biodiversité en lui demandant de voter pour choisir le nom savant qui allait désigner une nouvelle espèce de guêpe du genre Ampulex. Et plusieurs noms avaient été proposés au public, et ce dernier s'est majoritairement prononcé en faveur du nom d'Ampulex Dementor, en référence aux détraqueurs de la fameuse saga Harry Potter, que l'on appelle, donc ces détraqueurs que l'on appelle des Dementors en anglais. Et ces créatures maléfiques, ces Dementors, ces détraqueurs se nourrissent des sentiments des humains, c'est ce que montre... c'est ce qu'on voit dans la saga Harry Potter, ils peuvent absorber l'âme des humains et laissent leurs victimes comme des carcasses vides, sans émotion, sans personnalité. Évidemment, il s'agissait de faire un clin d'œil à la docilité des blattes après qu'elles aient été piquées par la guêpe Ampulex. Un cas semblable est également fourni par un autre hyménoptère, l'Iris niger, une autre guêpe, d'environ 1 à 1,5 cm, et qui a pour proie non pas une blatte, mais un grillon. La piqûre, là encore, injecte un venin qui provoque une paralysie temporaire durant laquelle le grillon est traîné dans un terrier, puis le grillon développe une sorte de léthargie, devient inerte, mais il n'est pas paralysé, encore une fois, tandis qu'il est dévoré vivant par la larve. Et le grillon reçoit non pas 2 piqûres, mais 4 piqûres dans le thorax, à différents endroits du thorax et au niveau du cou, lorsqu'il est bien calmé. Et la léthargie serait due au blocage de canaux sodium. Quatrième exemple qui va mettre en scène des araignées. Mais d'abord, je voudrais vous parler de certaines araignées du genre Cyclosa qui ont le pouvoir formidable, mais encore inexpliqué, de fabriquer une sorte de double d'elles-mêmes avec des débris qu'elles trouvent autour d'elles, des débris notamment d'insectes qu'elles vont coller sur leur toile de manière à effrayer les prédateurs qui voudraient s'approcher d'elles. Le spectre qu'elles fabriquent est plus imposant que leur taille réelle. Alors, la capacité de ces araignées à fabriquer un leurre, c'est ce qu'on voit ici, un leurre inspiré de leur propre forme, et à le disposer sur leur toile, pose des questions fascinantes. Au plan évolutif d'abord, mais aussi au plan philosophique, comment se fait-il que ces araignées aient une conscience de leur propre forme, et qu'elles soient capables également de reproduire cette forme sur une toile ? Alors, il s'agissait pour nous évidemment de refaire un clin d'œil à ce zombie dont on s'est rendu compte au cours de la semaine de la pop philosophie à quel point il représentait un double de nous-mêmes, une sorte d'alter ego inverso. Les dont je vais vous parler maintenant c'est plutôt d'araignées qui ne travaillent plus pour leur compte parce qu'elles se mettent à fabriquer des toiles spéciales sur commande.
Il s'agit d'araignées parasitées par des guêpes qui se mettent à tisser des toiles spéciales pour accueillir leurs cocons, les cocons de ces guêpes. Donc on parle de toiles de cocons. Et ces cocons, ces toiles fournissent sécurité et l'araignée va fournir nourriture puisqu'à la fin, elle se fait dévorer par la larve de guêpe. Alors ces guêpes font partie des parasites cénobiontes ou quanobiontes qui maintiennent leur hôte en vie tout au long de leur propre développement jusqu'à leur nymphose. Les guêpes femelles de ces espèces parasites insèrent leur ovipositeur, on sait maintenant ce que c'est, dans la bouche d'une araignée hôte, c'est ce qu'on voit dans cette planche, dans le but de la paralyser pendant qu'elle dépose un œuf dans leur abdomen. Et la guêpe se développe sous la forme d'un ectoparasitoïde, c'est-à-dire d'un parasitoïde dont le développement est au moins partiellement externe à l'hôte. Et donc cet ectoparasitoïde va se développer en consommant l'hémolymphe de l'araignée. Et c'est ce qu'ont pu observer des chercheurs brésiliens, dont un certain Souza, qui est impliqué dans une série d'articles. Et ce Souza rapporte la découverte dans la jungle d'une araignée, Cyclosa. Et on peut voir que l'araignée a été piquée et qu'elle porte un œuf qui va se développer en larve, qui va ensuite fabriquer son cocon pour franchir son stade de pupe ou de nymphe lors de la métamorphose et se transformer en guêpe adulte une dizaine de jours plus tard. Au laboratoire, l'araignée est consommée par la larve de la guêpe qui s'en nourrit pour trouver les nutriments utile à son développement, mais dans la nature, la situation est plus compliquée, car l'araignée fabrique une toile spéciale avant d'être tuée par le parasitoïde. Donc les araignées sont réduites en esclavage. Non seulement elles sont condamnées à servir de repas aux larves de guêpes, mais en plus elles doivent fabriquer des toiles pour assurer la descendance des parasites qui les infectent. Les toiles fabriquées par les araignées esclaves sont plus solides, on estime qu'elles sont 40 fois plus robustes que les toiles conventionnelles, et ces toiles ont des formes particulières qui les protègent mieux des prédateurs. Le design, l'architecture de ces toiles ressemble à celui, à l'architecture que les araignées mettent en place lorsqu'elles muent, c'est-à-dire lorsqu'elles changent d'exosquelette. C'est un processus durant lequel elles sont vulnérables et elles ont besoin d'être protégées pendant 2 jours à peu près. À la différence près qu'ici, les toiles fabriquées sous le contrôle de la guêpe doivent résister 10 jours. Le temps que la larve de guêpe se développe complètement. Les toiles de cocon présentent d'autres avantages pour la guêpe, comme par exemple celui de refléter les rayons ultraviolets que les oiseaux et d'autres insectes sont capables de voir. Donc ces toiles agissent comme des feux de signalisation, avec les cocons dessus, qui évitent aux oiseaux de détruire la toile pendant que la larve de guêpe se développe. Le comportement de ces araignées change donc drastiquement, et certaines espèces, comme Anélosimus, d'ordinaire social. Ces araignées, en général, cohabitent et partagent entre elles diverses tâches, comme la recherche de nourriture, la surveillance des petites araignées, la surveillance de la progéniture. Ces araignées se mettent à quitter leur colonie et s'isolent pour se consacrer à la confection de ces toiles de cocon assez spéciales. Des recherches ont été faites montrant que le mécanisme de soumission des araignées s'effectue là encore par la production de substances psychotropes que les guêpes injectent dans ces arthropodes, des substances comme l'ecdysone, une hormone stéroïde, qui normalement augmente lors de la mue des arthropodes. Mais on aurait là, chez les araignées parasitées, une sorte d'activation anachronique de ce processus, ce qui expliquerait qu'elles se mettent à fabriquer des toiles modifiées. Passons au cinquième exemple, les cigales hypersexuelles. Vous connaissiez le roman graphique et la série The Walking Dead. Préparez-vous maintenant à The Flying Dead. Les cigales peuvent être infectées par un champignon entomopathogène qui n'a rien à voir avec le cordyceps, puisque dans le cas qui nous intéresse, ce champignon s'appelle Massospora cicadina. Et les spores de ce champignon sont présentes dans la terre et se déposent sur le corps d'une petite fraction de la population des cigales avant de se multiplier plus tard à l'intérieur de leur corps, puisque lorsqu'une fois adultes, ces cigales quittent le sol dans lequel elles peuvent rester jusqu'à une quinzaine d'années pour rejoindre la surface. Donc ces cigales peuvent passer de 13 à 17 ans enterrées dans le sol avant d'émerger pour s'accoupler, et le champignon en profite pour faire son beurre.
Les cigales infectées se font dévorer vivantes par champignons qui déposent des spores à l'intérieur de leur corps. Ces spores fabriquent des entérotoxines et d'autres métabolites toxiques. Les cigales mâles perdent leur abdomen et leur partie génitale, qui est remplacée par un bouchon qui correspond à une masse de filaments du champignon. Mais le plus spectaculaire est que le champignon stimule l'accouplement sexuel. C'est ce qu'on voit ici. On se retrouve avec des cigales littéralement avides de sexe. Elles deviennent nymphomanes, alors même qu'elles peuvent avoir perdu une partie de leur abdomen, comme on l'a vu, une partie de leur abdomen, de leurs pattes et même leurs organes génitaux, ce qui est assez ironique. Alors ce comportement hypersexuel permet évidemment d'accélérer la dispersion des spores du champignon avant la mort de la cigale infectée. C'est ce qu'on peut voir ici. On a ces nuées de spores qui sont déversées, et les gros titres ont pu parler de salière volante de la mort. Ces cigales peuvent être comparées à des zombies, dans le sens où le champignon a pris le contrôle de leur corps et de leur comportement. On a découvert dans le corps des cigales de la cathinone, un alcaloïde qui possède des caractéristiques proches de celles des amphétamines. Et la cathinone est principe actif contenu dans les feuilles du cat, Catus edulis, un arbuste africain qui est cultivé dans la péninsule arabique et en Afrique de l'Est. Et la surconsommation des feuilles de cat fait actuellement des ravages au Yémen, en Somalie, au Kenya. Chez les cigales, ce composé aurait pour effet de les garder éveillées plus longtemps, de les stimuler à voler davantage pour mieux disperser leurs spores. Et ceci quand bien même elles auraient perdu une partie de leur corps. Chez d'autres cigales qui ont un cycle de reproduction annuel, ce sont des métabolites similaires à ceux présents dans certains champignons hallucinogènes qui ont été retrouvés. On a des molécules comme la psilocybine, la psilocine, dont on pense qu'ils sont fabriqués par le champignon Massospora cicadina. Et une hypothèse a été avancée selon laquelle la psilocybine réduirait la sensation de faim chez les cigales, qui pourraient alors consacrer plus de temps à l'accouplement au lieu de chercher à se nourrir. Le champignon étant en compétition par ailleurs avec les cigales pour manger le bois mort en décomposition. Le champignon a mis au point une stratégie de propagation tellement sophistiquée qu'il provoque également chez les insectes un comportement de parade spécifique. Les cigales mâles imitent les frottements d'ailes, normalement réservés aux cigales femelles, ce qui a pour effet d'attirer d'autres mâles qui se retrouvent alors contaminés par les spores. Ce comportement pourrait être lié à la sécrétion des alcaloïdes amphétamines qu'on vient de voir, la cathinone, la psilocybine. Et donc on peut suspecter quand même ce champignon Massospora cicadina d'être peut-être un peu hallucinogène sur les bords, au moins pour les cigales. Je ne vous conseille pas d'en consommer. Alors, heureusement pour les cigales, ces dernières se reproduisent tellement efficacement que leur population échappe à l'extinction sous la menace du champignon. On a ces hordes de cigales qui sortent de terre tous les 17 ans, et on se retrouve au bout de 17 ans avec d'autres cigales à zombifier, et le cycle funeste et funèbre peut se poursuivre. Autre exemple que nous allons voir en détail, celui de grillons qui meurent de noyade. Le responsable de ce comportement étrange de la part des grillons est un ver nématomorphe, du grec ancien néma, nématos, fil, et morphe, forme. Donc ce sont des vers en forme de fil. Et les vers nématomorphes sont des vers parasites seulement à l'état larvaire. Au stade adulte, ils mènent une vie libre dans les rivières et les ruisseaux. Et la principale activité qu'ils y mènent consiste à rechercher un partenaire sexuel pour se reproduire. Et chaque femelle produit plusieurs millions d'œufs, puis meurt. De ces œufs sortent des larves qui sont capables d'infecter des insectes hôtes, faisant surtout partie de l'ordre des orthoptères, donc des grillons et des sauterelles. Donc on comprend que le problème de ce ver nématomorphe va être de savoir comment il pourra retourner à l'eau pour se reproduire. Alors ce qu'il se passe, c'est qu'au cours de leur développement dans l'hôte, les nématomorphes passent en quelques semaines d'un stade microscopique à un ver gigantesque, comparé à la taille de l'hôte, puisque ces vers en forme de fil peuvent atteindre jusqu'à 70 cm de long. Arrivés à maturité, ces vers nématomorphes doivent donc impérativement rejoindre l'eau pour se reproduire. Et les scientifiques ont montré que ces parasites manipulaient le comportement des insectes hôtes en les obligeant à se suicider en se jetant à l'eau. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les insectes qui hébergent le parasite
développe un comportement inédit. Ils recherchent de l'eau pour s'y jeter, ce qui s'apparente pour eux à un risque de suicide, parce qu'il y a un réel risque de noyade. D'où le titre, le suicide de Grillon par noyade. Donc à la suite de cette modification spectaculaire du comportement de l'hôte, il y a émergence du parasite dans l'eau, c'est ce qu'on vient de voir. Et les mécanismes exacts de cette manipulation parasitaire spectaculaire sont encore mal compris. Sur la base des expériences menées en laboratoire, il ne semble pas que les insectes infectés soient véritablement attirés par l'eau, au moins à longue distance. Il semblerait plutôt que les insectes infectés par un ver mature développent un comportement erratique, en ne réagissant plus à certains stimuli synonymes de danger, comme la présence de flaques d'eau ou de petits ruisseaux. Alors, sachant que les forêts dans lesquelles ce système hôte parasite évolue sont truffées de ruisseaux, une telle modification de comportement est tôt ou tard censée conduire l'insecte infecté à rejoindre le milieu aquatique. La même histoire se répète avec un autre ver nématomorphe, Spinocordodes, qui va infecter, parasiter la sauterelle des chênes, qui va se jeter à l'eau également. Donc ce ver, Spinocordodes, peut modifier le comportement de la sauterelle en produisant, là encore, des molécules effectrices qui agissent directement sur son système nerveux central. Et l'une des découvertes les plus fascinantes est que certaines de ces protéines sécrétées par le ver nématomorphe sont mimétiques, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à celles produites par la sauterelle. C'est un peu comme si l'arsenal chimique utilisé par le ver parasite était calqué sur celui de son hôte, la sauterelle. Alors, ces phénomènes de suicide par noyade ne sont pas à prendre à la légère, puisque les grillons et les autres insectes suicidaires représentent une source de nourriture importante pour les organismes aquatiques. Dernier exemple. Les moins jeunes d'entre vous auront reconnu la pochette d'un 33 tours célèbre de Billy the Kick. Mangez-moi, mangez-moi donc, ou comment passer d'un hôte A à un hôte B pour rejoindre le nirvana, c'est-à-dire se reproduire. Là encore, en modifiant la perception du danger, pardi. On a vu avec les grillons que le parasite passe du milieu terrestre au milieu aquatique, mais les cas de figure sont plus compliqués et plus divers. Le parasite cherche parfois à passer de la terre vers le ciel ou des eaux vers les airs. Alors, voyons d'abord de la terre au ciel. Le cloporte, que l'on appelle également l'armadie vulgaire, peut parfois devenir l'hôte involontaire d'un ver parasite appelé acanthocéphale. Donc le cloporte se fait parasiter en ingérant ces vers. Il se trouve que ce ver parasite doit pénétrer dans le tube digestif des oiseaux pour atteindre sa pleine maturité, ce qui fait qu'une stratégie a évolué pour inciter le cloporte à se livrer comme nourriture aux oiseaux, ce qui permet au ver de gagner son lieu de croissance, l'oiseau étant l'hôte définitif. Alors quelle est cette stratégie ? Eh bien, le ver force le cloporte à s'exposer à la lumière du jour. Donc il y a une inhibition de ce que l'on pourrait appeler un comportement de photophobie. Normalement, les cloportes restent bien en place sous des rochers ou sous une souche bien cachée. Eh bien là, le ver parasite amène le cloporte qui n'est plus caché à se déplacer au vu et au su de prédateurs éventuels. Alors ce cloporte, qui est de couleur foncée, va se déplacer aussi sur des surfaces qui peuvent être colorées ou plus claires et où les oiseaux, comme des étourneaux, peuvent le voir. Ensuite, l'insecte contrôlé par le ver finit par être mangé par un oiseau et le ver peut ainsi terminer son cycle de développement. On trouve une déclinaison proche des eaux vers les airs, cette fois-ci chez un autre ver parasite qui porte le nom étrange de Microphallus papillorobustus. On a des crevettes que l'on appelle des gamards, des petites crevettes qui sont infectées par ce ver et qui deviennent intrépides et se mettent à tournoyer en surface au lieu de se cacher en profondeur. On parle de géotactisme inversé et ce comportement les expose à une prédation par les oiseaux qui sont là encore l'hôte définitif. Et là encore, la photophobie, ce comportement de fuite de la lumière, comme avec le cloporte, est modifié en présence du ver. Alors, les exemples que nous avons présentés, pour conclure, ne sont sans doute que la face émergée du grand iceberg et des relations impliquant des parasites manipulateurs. Comme on estime que la moitié des espèces terrestres ont un mode de vie parasitaire, ces formes de parasitisme impliquant la manipulation d'un hôte sont sans doute beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense. Il est probable que d'autres exemples, que d'autres instances soient découvertes dans le futur.
Alors, comme j'ai pu l'esquisser par endroits, tout l'effort de la biologie contemporaine va porter sur le décryptage des modes d'action, des mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans ces processus de manipulation parasitaire qui demeurent pour la plupart méconnus, tout autant que les acteurs chimiques impliqués. Et pour finir, au-delà des exemples que nous avons pu mentionner, les histoires de manipulation de comportement à grande échelle n'ont pas manqué d'inspirer la littérature et le cinéma. D'Alien, comme on l'a vu à THX 1138, un excellent film dont je recommande le visionnage, de Star Trek, la colère de Khan à Matrix, de la série Stargate SG-1, excellente série canadienne débutée en 1997, à The Hidden, sorti 10 ans plus tard, de The Signal, sorti en 2008, à Dark Skies, sorti en 2013. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et longue et belle vie au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille. Merci également à tous nos partenaires, la ville de Marseille, mon équipe de recherche CNRS, l'équipe Évolution, Vecteur, Adaptation, Symbiose, à l'Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier, donc équipe dirigée par Mylène Veil, à l'ISEM, qui est hébergée au sein de l'Université de Montpellier, qui accueille par ailleurs la chaire UNESCO d'Edgar Morin sur la pensée complexe, dont le réseau Reliance en complexité est une sorte de spin-off. Je remercie chaleureusement l'équipe de la Semaine de la Pop Philosophie et en particulier Jacques Serrano d'avoir fait en sorte de sauver la programmation de la Semaine de la Pop Philosophie consacrée au phénomène zombie. S'il y a quelque chose qui est redevenu vivant en 2021 après avoir été mort en 2020, c'est bien la Semaine de la Pop Philosophie. Donc merci à Jacques Serrano. Et pour finir, merci à Anne-Lise Charmiot et à Mehdi qui s'occupent des collections qui sont présentes dans notre Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier. Et donc Anne-Lise et Mehdi font partie de l'équipe de paléontologie. Merci à vous.